équipement. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accroché une des branches en descendant. Tu peux marcher? Il va falloir des points de suture. Vous n'avez pas bien caché vos parachutes. Et vous avez laissé une traînée de sang sur un demi-kilomètre. Suivez-moi. J'habite pas loin d'ici. Nick, allez, viens! Ignatz! Ignatz! Une soupe chaude. Venez. Entrez. Je suppose que vous allez à Prague. C'est à quelle distance ? 30 kilomètres. J'ai un permis spécial de transport pour mon camion. Je pourrais vous y conduire. Merci. Reposez-vous ici cette nuit. Je vous y emmène demain matin. Savourez votre soupe. Je vous en prie. Asseyez-vous. Combien les Allemands vous payent pour dénoncer vos compatriotes, hein? Jette ton arme! J'ai dit jette ton arme! Jette-la! Jette ton arme! La voir. On va prendre ce camion. Allez. Ils ont fait leur choix, Yann.
Des fois, tu dois choisir ton camp. T'aurais préféré que ce soit nous? Prochaine à gauche. Garde-toi par ici. Nous cherchons Monsieur Ulrich Novak. Les Novak n'habitent plus ici. Qui est-ce ? C'est seulement quelqu'un qui cherche une adresse. Je suis désolée, mais c'est tout ce que je sais. S'il vous plaît. Vous pouvez nous aider. Il y a un vétérinaire dans l'autre rangée des boutiques au bout de la rue. On dit que c'est un homme bien. Il pourrait vous aider, peut-être. Merci. D'habitude, il n'aboie qu'aux Allemands. Mm-hmm. Aux Allemands, il y a quiconque lui fait un examen du rectum. Merci, docteur Edouard. Allez, viens, Benesh. Prenez soin de lui, madame Lukasova. Normalement, pour une morsure de chien, on va à l'hôpital, pas chez un vet. Vous connaissez Ulrich Novak ? Ouais. Et si on vous disait que Ulrich Novak était notre contact ici à Prague ? Alors, je me demanderais si vous êtes des patriotes tchèques mal informés ou des espions de la Gestapo, essayant d'infiltrer ce qui reste de la résistance. Je n'ai pas décelé d'accent allemand. Les documents dans votre sac n'ont pas de lettres de style allemand. Et étant donné que cette blessure a plus l'air d'une morsure d'arbre que d'une morsure de chien, je ne peux qu'en déduire que vous avez été parachuté en Tchécoslovaquie avec des informations quelque peu périmées. Vous êtes brillant. On nous a dit aussi que vous êtes un homme bien. Vous étiez parti combien de temps ? Ça fait longtemps. Il donne des récompenses aux informateurs d'activités anti-nazis. Heydrich a tout fait pour écraser la résistance. Il a fait exécuter des milliers de gens. Je peux vous mettre en contact avec le meunier. Peut-être qu'il pourra vous aider. Vous pouvez rester ici ce soir. Je contacterai le meunier demain matin. Mon ami ici dit que vous êtes un homme brillant. Je suis d'accord. Mais ne faites rien qui pourrait nous faire changer d'opinion. Doucement avec votre pied. Vous danserez le tango dans une semaine. Voici British Lab. Le meunier. Edward m'a dit que vous cherchiez Ulrich Novak. Ouais. Vous voulez faire un tour de camion avec moi?
Ne bougez pas. Je vous prie de vous asseoir. Vous étiez à la recherche d'Oldrick Novak. Qui vous a donné ce contact? Londres. Et vous nous dites ça parce que... Vous ne nous donnez pas vraiment le choix. Et ça, ça ne ressemble pas au quartier général de la Gestapo. Vous, d'où venez-vous? J'imagine de Bohême? Non, Dolní Vilimovice, en Moravie. Alors vous devez connaître la gare ferroviaire de Vladislav. Oui. En quoi est-elle spéciale? Je suppose que vous voulez parler de ce grand lit de rose coloré qui, quand on le voit d'en haut, a la forme de notre drapeau national. Est-ce qu'il y est encore? Il faut croire que les Allemands, eux, ne l'ont pas encore vu d'en haut. Je m'appelle Vanek. Ladislav Vanek. Lui, c'est Oncle Iski. Nous sommes à la tête de l'organisation INDRA, la résistance tchèque. Je suis Jan Kubiš. Et moi, Josef Kapčík, de Slovaquie. Ne soyez pas surpris par notre manque de confiance. La Gestapo a très bien réussi à infiltrer notre réseau. Oldrick Novak, il a été arrêté il y a plusieurs mois. Pourquoi Londres n'en a pas été informé? On a perdu le contact avec le gouvernement tchèque en exil depuis plusieurs mois. On a besoin de nouveaux cristaux pour l'émetteur. On attendait qu'ils envoient quelqu'un pour rétablir le contact. Est-ce que c'est vous? Il y avait d'autres hommes dans l'avion. Ils les ont lâchés ailleurs. Il est possible que leurs ordres aient été de rétablir le contact avec Londres. Mais ça, ça n'est pas notre mission. Quelle est votre mission? Opération Anthropoïde. Anthropoïde? Qu'est-ce que c'est, Anthropoïde? Nous sommes ici pour assassiner le SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Oh. Vous êtes complètement malade? Nous avons nos ordres. Mais camarades. C'est de la folie! Nous avons nos ordres, camarade! Heydrich? Merde. Pourquoi s'arrêter à Heydrich? Et pourquoi pas tuer Hitler tant qu'à y être? Il était seulement 300 km d'ici, dans un petit village appelé Berlin. Alors on avise Londres que vous refusez de contribuer à notre mission. De quel droit osez-vous dire ça? De quel droit osez-vous dire ça? Vous savez ce qu'on a sacrifié pour la cause ici? Qu'est-ce que vous avez sacrifié? Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez aucune idée si vous la refusez? Vous tuez Heydrich, et Hitler mettra Prague en pièces. Je suppose que vous avez de la famille en Tchécoslovaquie, un père, une mère. Si vous tuez Heydrich, vous pouvez les compter pour morts, eux et tous ceux qui vous connaissent. Tous les patriotes tchèques devraient être prêts à mourir pour leur pays. Et cela inclut ma famille. Eh bien, pas moi. Je veux continuer à me battre. Il ne nous en reste pas assez qui soient prêts à faire ça. Nous sommes tout ce qui reste de la résistance tchèque. Je suggère qu'un moins haut gradé soit assassiné, peut-être quelques-uns. Heydrich est le chef de la police secrète. Seulement Hitler et Himmler sont au-dessus de lui dans la hiérarchie nazie. C'est justement ça. Vous pensez vraiment réussir à vous rapprocher assez pour assassiner Heydrich? Nos ordres viennent directement du gouvernement tchèque à Londres. Tout ça parce que le gouvernement tchèque à Londres essaie d'impressionner les alliés. Ce sont les alliés qui nous ont donné aux Allemands dès le départ. Munich a été une trahison. Mais maintenant, c'est déjà de l'histoire. Je crois que ce que le gouvernement tchèque à Londres nous demande, c'est ceci. Est-ce que la Tchécoslovaquie est encore prête et disposée à résister à l'Allemagne nazie ?
Josef Gabčík et Jan Kubiš. Vous êtes tous les deux les bienvenus ici. S'il vous plaît, appelez-moi Tante Moravec. Atia ? Atia ? Atia, c'est mon fils. Il étudie pour devenir violoniste. Atia, voici Josef et lui, c'est Jan. Heureux de vous rencontrer. Alors, essayez de ne pas sortir. Mais si vous le faites, ne marchez jamais ensemble. Si on vous contrôle, il vous faudra une excuse pour ne pas être au travail. On va vous fournir des certificats médicaux aussitôt que possible. Utilisez toujours notre code. 3 coups, puis un dernier. Mais pour l'instant, soyez discret. Je vous contacterai à travers Atia. Bonne chance. Merci. Au revoir. Par ici, s'il vous plaît. Josef. Il y a une sortie par le toit. Il y a une sortie de secours vers la gauche. Vers la droite, ça continue jusqu'à l'immeuble voisin. Ça fera l'affaire. Je suis sûre que vous ne refuserez pas un verre de Beherovka. Merci. C'est rien. Madame Moravec ? Bonjour. Bonjour. Il y avait tellement de monde au marché, mais j'ai pas trouvé le pain que vous vouliez. Venez. Qui c'est ? T'inquiète pas, Marie. Je te présente Josef et lui, c'est Jan. Ils vont rester quelque temps avec nous pendant qu'ils se cherchent du travail. Enchanté de vous connaître. Bonjour. 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 Enchanté. Josef et Jan ne sont pas enregistrés auprès de la police comme étant résidents ici. Alors n'oublie pas, tu gardes ça strictement pour toi. Je vais déposer tout ça dans la cuisine. Bienvenue. C'est la fille de Madame Korvanikova. Je l'ai engagée pour nous aider. Le souper est à 6 heures. Veuillez vous asseoir. Atia, le souper est servi. Et finalement, le violoneux s'est arrêté. C'est un violoniste, Aloïs. Un violoniste. Alors, vous cherchez du travail tous les deux ? Oui. On a toujours besoin d'hommes pour nettoyer les cendres des locomotives. Merci, Monsieur Moravec. Nous allons... Oui, c'est bon à savoir. Alors, vous faites quoi quand vous n'êtes pas par ici ? Vous avez un petit ami ? Non. Comment est la vie dans la Prague occupée ? Marié ? Je suppose que le fait que vous ne soyez pas enregistré à la police a quelque chose à voir avec cette question. Je déteste les Allemands. Et dites-moi, est-ce que vous avez une amie aussi jolie que vous, à qui on peut faire confiance ? Pourquoi ? Si on est accompagné, on risque moins d'attirer l'attention dans la rue, Jan et moi. Les jeunes amours qui fleurissent sous l'occupation allemande, ce genre de truc. Mais vous n'êtes pas si jeune. Savoir qu'on peut vous faire confiance, c'est une chose, marié. Mais faire ça, ça pourrait vous coûter la vie. Vous devriez peut-être y penser. Mon amie Lenka. Elle transmet parfois des messages pour oncle Heisky.
On va à une danse en réveillant du nouvel an demain soir. Vous voulez venir ? Regarde-les. C'est comme un vieux rituel qui a perdu sa joie. Il y a peut-être de l'espoir dans les apparences. On dirait que ça va marcher pour toi avec Lenka. On a fait une bêtise. Bonsoir. Lenka, je te présente Yann et Youssef. Vous savez, ce n'est pas très poli. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous êtes les plus belles femmes dans cette pièce. Félicitations. Mais vous ne semblez pas comprendre que ce n'est pas une soirée de relâche pour nous. Ce n'est pas un amusement. Youssef, peut-être que t'exagères un peu. Yann, regarde autour de nous. On apprécie le geste, mais l'idée est de ne pas attirer l'attention. On a besoin que vous soyez le moins visible possible. Vous comprenez ? Vous savez, pour la plupart des filles, un peu de rouge à lèvres est la seule façon d'oublier ce qui se passe ici. Même si ce n'est que pour quelques heures. Oui. Votre rouge à lèvres vous fait remarquer. Et ça nous fait remarquer. Et nous fait remarquer, c'est nous faire tous tuer. Cette petite scène a besoin d'une fin. Donnez-moi une gifle. Donnez-moi une gifle. Pas une pute. Je crois que ça s'est bien passé. Mitraillette anglaise Sten Mark II. Une centaine de balles. Et des grenades anti-tank. Modèle 7-3 avec détonateur. C'est tout ce qu'on a pu récupérer de la boîte de dépôt. Oncle fait dire qu'il a fait quelques progrès avec les informations que vous avez demandées. Il y a une rencontre au café Moravia sur la rue Vodikova, mardi à 2h. Je voulais juste m'excuser pour l'autre soir. Vous aviez raison de faire ce que vous avez fait. Marie ne m'avait pas bien informée de la situation. Elle est très jeune. Elle a encore des idées romantiques sur la guerre. Et vous ? La guerre n'a rien de romantique. On traverse ici. Après notre dernière sortie, je pensais vous voir arriver habillée en sac de patates. Je ne sais pas ce que je fais. Vous faites ce qu'il faut. Asseyez-vous ici, commandez un verre. Ce ne sera pas long. Youssef. Yann. Opalka. Valchik.
Je vois que vous n'êtes pas étrangers l'un à l'autre, mais on n'a pas beaucoup de temps. On a été formés ensemble aux opérations spéciales. Valchik était d'ailleurs dans le même parachutage. Ouais, lâché 10 minutes plus tard et 50 km hors cible. Grâce à Valchik et à son groupe Silver A, nous avons finalement rétabli les communications avec Londres. Mes ordres sont de transmettre et de recevoir toutes les communications entre vous et Londres. Vous avez vos livrets de décodage, n'est-ce pas ? Oui. Le sous-lieutenant Opalka et l'adjudant Shurda ont complété l'opération Out Distance. Alors, ils sont tous les deux disponibles pour vous aider. Le sous-lieutenant Opalka est l'officier supérieur ici. Oui, c'est vrai, mais l'objet de votre mission a pressé sur mon grade. Le mot d'ordre de Londres est anthropoïde, priorité absolue. On aide avec tout ce qui est possible. Alors, à vous de jouer, mes amis. Alors, on sait que Heydrich rentre dans sa famille chaque jour, à Panenske Brejani. Mais son château ainsi que son palace sont très fortement gardés. Ce ne sont pas des objectifs réalistes. Et une fois par mois, il se déplace également à Berlin, en train. On peut facilement le savoir parce que ses valises personnelles sont préparées plusieurs jours à l'avance. Mais là encore, la gare et le train sont tous deux très fortement gardés. Pourquoi ne pas faire dérailler le train à l'extérieur de Prague ? On peut le faire dérailler, mais ça ne garantit pas que Heydrich sera tué. J'ai pu entrer en contact avec un de mes anciens élèves qui travaille comme homme à tout faire à l'intérieur du château. Il est prêt à nous aider, mais il sait seulement quand Heydrich arrive le matin et quand il repart. Ça nous sert à quoi ? Vous pouvez vous faire une idée de sa routine. Parfois, il se déplace avec une escorte armée et parfois, il ne le fait pas. Peut-être qu'il y a une espèce de logique dans tout ça. Il y a un lieu sûr près du château. L'homme à tout faire pourrait y déposer l'emploi du temps tous les jours avant le travail. Lenka ou Marie pourraient le récupérer. Bien. Et Yann et moi, on va suivre la route d'un château à l'autre. Messieurs, cette opération va impliquer presque tous les hommes qui nous restent dans la résistance. La Gestapo en a déjà capturé un si grand nombre. Si vous êtes arrêtés, vous ferez face à une dure réalité. Il n'y aura pas d'issue. Vous serez torturés jusqu'à ce que vous ayez tout révélé. Et après, vous serez exécutés. Vous devez protéger vos camarades en coupant tous les liens qui vous relient à eux. L'opération Out Distance nous a réapprovisionnés avec ça. Ayez toujours ces capsules de cyanure à portée de la main. Regarde. On doit arrêter la réunion. Utilisez la fenêtre. C'est comme ça. Lass uns gehen. Ça va. Excusez-moi. Je suis désolé. On dirait qu'il y a toute une garnison ici. Voilà notre homme. 5 minutes après 9 heures. Il roule en solo aujourd'hui. Attends.
Une escorte armée. 30 secondes derrière. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Si on peut utiliser une corde ou un câble d'acier pour arrêter la Mercedes, alors 30 secondes. Alors 30 secondes, c'est tout ce qu'il nous faut. Même si une corde arrête l'auto, il nous faut quand même plus que 30 secondes pour nous échapper d'ici. Il faudra affronter les gardes armés ici à découvert. J'en ferai pas mon premier choix. Et si c'était notre seul choix ? Le but de la mission est de réussir, pas vrai ? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pas prévu quoi faire si on réussit. Ce qui arrivera après n'est pas important. Suivons la route jusqu'au château. Et puis ? Arrivé à 9h15, parti à 5h15. Avec une escorte armée. Une escorte armée ? Il n'y a qu'une seule personne à Prague qui se déplace avec une escorte armée. Est-ce que vous allez assassiner Heydrick ? Quoi ? Votre cible, c'est Heydrick ? Pour votre propre sécurité, il vaut mieux ne pas poser trop de questions. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour ça, maintenant ? Vous avez accepté d'aider la Résistance. Notre cible ne devrait pas vous concerner. On est en train de vous aider à assassiner Reinhard Heydrick. Oui, ça nous concerne. Ok, tout le monde, on... relax. Peut-être qu'on a fait l'erreur de ne pas vous informer du danger. Mais tuer Heydrick... Non, non. Assassiner Heydrick. Tuer implique qu'il aurait mérité de vivre. Alors vous pensez qu'on est juste deux petites filles qui sont là pour tenir compagnie à ces messieurs les parachutistes ? Oh, Lenka. On fait de la résistance ici depuis le début, à notre façon. Personnellement, je n'ai aucun problème à abattre un de ces porcs. Mais ne nous traitez pas comme si votre projet n'avait aucun impact sur nous. Il en a et il en aura. Et vous devriez toujours nettoyer votre arme parce qu'elle est plutôt crottée. Marie, où sont tous mes pots et mes casseroles ? Cette sortie ici, c'est ça. Tu vois ? C'est le point le plus lent du trajet. N'importe où ailleurs, c'est impossible. Alors on le fait ici. D'accord ? Oui. C'est peut-être pas l'idéal, mais c'est la meilleure option.
Bien. Vous allez vraiment aller jusqu'au bout avec ça? On a des ordres. Alors, vous tuez Heydrich. Et après? Vous ne croyez pas qu'il y en aura d'autres comme lui? Ils viendront et les massacres seront encore bien pires qu'avant. Vous croyez que ça va finir comment? J'aimerais pouvoir vous répondre. Vous croyez que tout ça a un sens pour moi? Alors abandonnez maintenant. Pour aller où, Marie? Vous croyez qu'on peut échapper à tout ce qui se passe ici? Et prétendre que cette folie n'est pas réelle? Des fois, je suis même pas sûre si elle est réelle. Heydrich étranglait les habitants de cette ville sous une chape de terreur. Les gens sont exécutés. Pourquoi? Leur race, leur religion, leur cigarette. On entend des histoires sur la Pologne. Chut, Marie, ça va aller. Je comprends pas. Je veux juste que... Dites-moi que nous faisons la bonne chose. Je crois que c'est à mon tour de m'excuser à propos de l'autre matin. Vous aviez raison d'être en colère. On aurait dû vous prévenir des risques et vous donner la possibilité de renoncer. Mon père était capitaine dans l'armée. Il voulait des garçons, il a eu 3 filles. Il a été arrêté avec beaucoup d'autres en 1939, quand l'Allemagne a envahi la Tchécoslovaquie. Et quand Heydrich est entré en fonction en septembre, son premier ordre a été de faire exécuter tous les prisonniers. Mon père faisait partie des 5 000 tués dès la première semaine par Heydrich. Pour moi, pas question de renoncer. Heydrich vaut tous les risques. On a inspecté la route. Et on pense savoir comment le faire. Je vais organiser une réunion au café après-demain, à 3 heures. Notre premier contact, Heydrich Novak, qui était son supérieur. Ladislav Vanek. C'est l'un des plus réticents envers ce que nous devons faire. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est de quoi il a tellement peur. Yann ? Désolé. Ah.
Il s'approche ici, au coin des rues Kirchmeiver et Holschowitzer. Ici. Il va bien être obligé de ralentir ici pour tourner. Oui, il va ralentir jusqu'à environ 15 km/h. On a calculé la moyenne de ses heures d'arrivée le matin. On peut l'attendre aux alentours de 9h30. Et les armes? À cette distance, la mitraillette Stein devrait toucher tout ce qui se trouve dans l'auto. Mm-hmm. D'accord, et puis l'escorte? On n'a pas détecté de routine. Certains jours oui, d'autres jours non. S'il y a une escorte armée, on bat en retraite et on attend le jour suivant. Vous savez que je suis contre cette action depuis le début. Oui, c'est très clair. Je ne peux pas donner le feu vert sans demander à Londres de reconsidérer le tout. Ladislav, c'est une opération militaire, ce n'est pas à toi de donner cet ordre. Cette mission n'existerait pas sans la résistance. Je suis avec Ladislav. Bien sûr. On devrait demander à Londres de réévaluer notre situation ici, à Prague. On a nos ordres, Jourda, et rien n'a changé. C'est facile pour Londres de donner des ordres, c'est nos vies attends qui sont donc en jeu. Une confirmation. Ça fait 4 mois qu'on attend. 4 mois. Londres a besoin d'action. Quelques jours de plus ne feront pas de différence. Valchik, il te faut combien de temps pour arriver à l'émetteur? Je peux être à l'émetteur, disons, après-demain. Après, il faut quelques jours pour recevoir la réponse de Londres. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Santé. 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 C'est magnifique. Merci. Atia, je sais que c'est ton anniversaire, mais... On a une petite annonce à vous faire. J'ai demandé à Marie de m'épouser. Et elle a dit oui. Félicitations. Bravo. Merci. Félicitations. Merci. Merci. Félicitations. Merci. Pourquoi on est ici? Je sais. Je sais. Qui peut prédire ce qui arrivera? Londres pourrait annuler. Tu te mens à toi-même, mon ami. Parce que c'est plus facile. Je voudrais croire qu'il y a une issue à tout ça. Et qu'une vie normale est là qui nous attend. Que tout redevienne comme avant. Marie me fait croire qu'il y a de l'espoir. Je l'aime. C'est vrai, je l'aime. J'ai eu une idée. J'ai transféré les 7-3 dans des gourdes d'eau pour plus de mobilité. Elles sont prêtes à exploser sur impact. Ne les fais pas tomber, hein. Non. Celle-là était vide. Non, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Thank you.
anthropoïde. Procédé. Stop. Importance. Capitale. Ça ne dit rien à propos de nous récupérer. Il y a un problème. Un de nos contacts à l'intérieur du château a vu de la correspondance ordonnant à Heydrich de rentrer à Berlin. Et il y a eu des conversations à la maison sur une nouvelle affectation à Paris. Ce qui veut dire qu'une fois rentré à Berlin, il ne reviendra peut-être pas. Quand est-ce qu'il part ? Après-demain. Alors, on n'a pas le choix. On le fait demain. On le fait demain. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ladislav a reçu une nouvelle transmission de Londres. Et alors ? Ils ont acquiescé à ma demande d'abandonner la mission. Nous avons clairement évalué la situation. Par conséquent, étant donné les circonstances, toute action contre les fonctionnaires du Reich allemand ne doit pas être considérée. Veuillez en aviser le groupe Indra. Non. Ladislav, je viens juste de décoder un message de Londres. Procédé. Importance capitale. Mais ça, ça dit clairement que vous devez abandonner. Eh, vous vous trompez. Ça, c'est pour Indra. Comment on peut reconnaître ça ? Alors attendez au moins qu'on l'ait clarifié pour vous. Ça a peut-être remplacé vos ordres. On n'a pas le temps. Après-demain, Heydrich sera parti. Je suis d'accord avec Yosef. Je ne pense pas que ce soit un ordre direct. Je pense qu'il a été écrit pour calmer les nerfs de l'Indra. Je sais que vous doutez de moi. Non, Ladislav. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous me soupçonnez de collaborer. Je sais que vous m'avez fait suivre. Je comprends que vous ne me faites pas confiance, mais si j'étais un informateur pour la Gestapo, est-ce que vous seriez encore ici, vous croyez ? Alors dites-le-moi. Ladislav. De quoi est-ce que vous avez peur ? J'ai peur que la Tchécoslovaquie soit effacée de la carte du monde. Vous me demandez si j'ai peur ? Oui, j'ai peur. Oncle, on le fait demain, comme prévu. Que le Seigneur soit avec vous. Yann. J'ai tiré sur des hommes au combat, mais j'ai jamais tué quelqu'un de près. Donne-moi le pistolet. Donne-moi le pistolet. Je veux pas mourir demain. Donne-moi le pistolet. Respire. Respire. Merci, Madame Moravetz. Merci. Ok. Respire. 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 Concentre-toi sur les détails. Bien. Bien.
vais t'attendre au bout de la rue. Oncle a dit qu'il n'aura pas besoin de nous pour quelque temps. C'est aujourd'hui. Faut me le promettre. On a beaucoup de temps. 8h25. Où est Jorda? Peu importe. Valchik, tu vas prendre cette rue derrière moi. Il y a un peu de soleil. Alors prends ça. S'il s'approche sans escorte armée, utilise-le pour signaler. Et s'il en est une? Eh ben... Alors allume une cigarette. Quand l'auto va ralentir pour tourner, je vais apparaître et ouvrir le feu avec la stène. Ce sera le signal de l'attaque. Yann, tu tiens derrière le point d'attaque pour pouvoir jeter des grenades vers l'escorte s'il y en a une. Hein? Pas le cas. Essaie de marcher lentement en traversant. Pendant qu'il approche, tu pourras peut-être le retarder avant qu'il commence à tourner. Est-ce que c'est clair ? Ouais. Bonne chance. Ça va? Oui.
où, Kurda? Je pensais pas que vous alliez vraiment le faire. Ils parlent que de ça à la radio. Vous l'avez tué? Ils disent à la radio que 20 000 soldats SS ont été mobilisés pour nous retrouver. Il faut que j'éloigne ma famille de Prague. Non, Kurda! Personne ne va nulle part, Kurda. J'essaie de te sauver maintenant. Ils vont te prendre à la sortie de la ville. Tu rentres chez toi près de ta famille, tu restes calme et tu la fermes. Tu crois que tu peux faire ça, hein? Ouais. On l'a raté, Kurda. Raté? Non. On a échoué. Je suis désolé, Lasten. Je suis désolé. Vous êtes gemeinsam mit seiner gesamten Familie erschossen. Karl Frank a temporairement pris la place de Heinrich et il a proclamé l'état d'urgence ainsi qu'un couvre-feu. Une récompense de 10 millions de couronnes sera accordé pour toute information menant à l'arrestation des criminels. Toute personne surprise à aider les criminels sera exécutée, ainsi que toute sa famille. Qu'est-ce qui a mal tourné là-bas? On ne l'a même pas tué. Mais blessé. Gravement? C'est difficile à dire. Les SS ont complètement bouclé l'hôpital. Alors on présume qu'il est encore vivant. On dirait que les Allemands ont plus de soldats et d'armements ici que sur tout le front de l'Est. Ils ont pris plusieurs milliers d'otages. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Rien ne sort ou n'entre dans Prague. Ils fouillent tout de porte en porte. Il ne nous reste plus aucun lieu sûr. Alors, où est-ce qu'on va? J'ai demandé au père Vladimir Petrek. Et il a accepté de cacher tous les parachutistes encore présents ici à Prague, jusqu'à ce qu'on puisse vous renvoyer à Londres. Patientez ici, quelques heures. Je vais trouver un passage sûr pour la cathédrale. Stop!
Joseph. Tom, Joseph. C'est de ma faute. Joseph, c'est pas de ma faute. Joseph, écoute-moi. Écoute-moi. C'est de ma faute. Stop. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu vas risquer notre vie à tous. Pourquoi? Pour tuer quelques Allemands. Elle est partie. Joseph, elle est partie. C'est pas de ta faute. C'est de ma faute. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, Joseph. C'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Je m'excuse, Yann. Ça va. Je suis désolé, Marie. Madame Moravette, je suis désolé. Marie. Hé, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Le père Petrek va vous retrouver ici. Je vous envoie à Tia avec de quoi manger. Allez, allez. Merci. Je n'ai aucun regret. Vous êtes les hommes les plus courageux du monde. Je suis le père Petrek. Bienvenue. Venez avec moi, s'il vous plaît. Ceci est notre crypte secrète. Vous y serez en sécurité. Merci, mon père. Messieurs, voici Schwartz, Bublik et Ruby.
Ils sont du largage de ce printemps. L'ennui est sûrement notre pire ennemi ici. Je propose qu'on place 3 hommes de garde sur le balcon de la nef en tout temps, avec une rotation toutes les 6 heures. Ces 3 feront le premier quart. Désolé que ça n'ait pas fini comme on l'espérait tous. Pas plus que nous. Ryan Heydrich est mort à l'hôpital. Des conséquences directes des blessures subies pendant l'attaque. Hier, les Allemands sont allés dans un village, Lidice, et ils ont fusillé tous les hommes de plus de 16 ans. Les femmes et les enfants ont été emmenés dans des camps, et le village a été complètement rasé. On murmure que le village vous aurait peut-être aidé. J'ai jamais mis les pieds à Lidice. Ces temps sont très durs. À la moindre rumeur, un village entier est rayé de la face du monde. Aujourd'hui, Karl Frank a annoncé une amnistie à la radio. Le pardon complet pour toute personne et sa famille qui fournira des informations sur les assassins. Même s'ils ne se sont pas manifestés avant. Mais il y a un sursis de 5 jours. Après ça, ils feront exécuter 30 000 tchèques. Il faut mettre fin à tout ça. Qu'est-ce que vous proposez ? Yosef et moi, on va dans un parc. On se met des affiches autour du cou disant qu'on a tué Heydrich. Et on se suicide. Yann, vous dites des bêtises et des paroles d'idiots. En tant que soldat, il est de votre devoir de rester en vie et de continuer à vous battre. Est-ce que vous comprenez ça, adjudant Kubisch? La responsabilité ne vous échoit pas. On sait qui sont les responsables. Ils devront répondre de leurs actes en temps voulu, et ils le feront. Si je ne croyais pas à ça, je ne serais pas ici en ce moment. Merci. Est-ce que tu as vu Marie? Elle va bien.
Derrière ces briques et la maçonnerie, il y a un gros égout qui se déverse dans la rivière. On en est sûr ? J'ai trouvé des plans dans le bureau du père Petrek. Alors si on peut percer un trou, on a un moyen de s'échapper. Pour aller où ? Tant que les British n'ont pas de plan pour nous, on est coincé ici. Mais si on est repéré, on n'aura pas d'issue. J'aimerais qu'on ait au moins cette option. On aurait encore une petite chance dans les rues. Deux hommes devraient travailler ici en tout temps. Quel est son nom ? Lenka. Tout à l'heure, ce que Yann a dit. À propos de vous enlever la vie. Il était sérieux. Peut-être. Les lâches meurent mille fois avant de mourir. Le brave ne goûte jamais à la mort qu'une fois. Shakespeare. Vous dites connaître l'homme qui a assassiné le Reichsprotector Reinhard Heydrich, mais que vous n'avez rien à voir avec ça. Vous dites ne pas savoir où ils sont, mais vous connaissez la famille qui a hébergé ces hommes. Je vous en prie. Vous vous êtes présenté ici de votre plein gré pour nous livrer ce témoignage. Vous dites que vous êtes un vrai patriote et que vous faites cette déclaration parce que vous voulez protéger votre famille et pour que les exécutions de Tchèques innocents ne se produisent plus. Et vous dites que vous vous appelez Karel Choda. Kalupski! Alle an der Wand! Bring die Frau her. Wo sind die Fallschirmspringer? Où sont les parachutistes?
Je ne sais rien. Vous devez nous confondre avec d'autres Morabeth. Hebt ihr auf? Jawohl! Wo sind die Fallschirmspringer? Où sont les parachutistes? Widerlich. Los, alles nochmal durchsuchen. Überall, los! S'il vous plaît, laissez-moi me laver juste un peu avant qu'on parte. Allez-y alors. Mon fils est un violoniste. Dites-leur qu'il ne sait rien de tout ça. Je vous en prie. Aussi grand. Dans la salle de bain. Chose l'a déclenché. Peut-être que des membres de l'église l'ont marqué. Pas le cas. Qu'est-ce que j'ai raté? L'évêque Gorez a parlé au père Petrek. Il paraît que notre présence ici met l'église en danger. Il veut qu'on s'en aille. Mais Petrek a parlé à Eski et il a un plan pour nous faire sortir. Quand? Deux dans les cercueils. Deux sous les faux planchers. Et les trois autres déguisés en porteurs de cercueils. Ça en fait sept. Quand est-ce que vous pourrez être prêt? Tu aimes jouer du violon? Peut-être que tu aimerais revoir ta mère aussi. Oui, on a réussi à la sauver. Non. Non. On a sauvé sa tête. Où sont les assassins? Où sont les assassins? Non, non. Où est-ce qu'ils se cachent? Où est-ce qu'ils se cachent? Où sont les assassins? Où est-ce qu'ils se cachent? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans l'église! Ça a suré les méthodes.
Les Allemands encerclent l'église. Il faut prévenir les autres. Non, on n'a pas le temps. Prenez les positions offensives. On va les contenir d'ici. Boblik, prends le balcon du haut. Demi-tour. L'église est encerclée. On doit les aider. On ne doit pas se faire repérer, Yosef. Yann ! Hé ! Yann ! L'escalier. C'est notre seule issue, Yann. Mais c'est aussi le seul moyen de monter. Comme à l'entraînement. Tiens, regarde. Tout doucement. Doucement. Concentre-toi sur les détails. Allez. C'est ça. Je suis désolé, Yann. Ça va. Ok. Doucement. Ouais. On est tous avec toi. Et la Tchécoslovaquie est ici avec nous. Oh, mais ça s'arrête ! Tom ?
Rams. Aufmachen! J'ai plus rien! Le dernier! Thank you.
Lui, c'est Jan Kubisch. Ça, c'est Adolf Opalka. Et lui, c'est... Je sais pas, mais c'est pas Josef Gabčík ou Valčík. Den Tschechen rein. Mach, dass er mit ihnen redet. Er soll sie überzeugen, damit sie endlich aufgeben. Unsere Geduld ist gleich am Ende. Tu devrais convaincre tes amis de se rendre. Josef, vous devriez vous rendre maintenant et sauver votre vie. C'est Jourdain. Vous m'entendez? Jourdain! Jourdain! Vous serez traité avec humanité en tant que prisonnier de guerre. On est tchèque ! On ne se rendra jamais ! Feuer frei ! Hier ist Eingang. Ja, hier ist der Eingang. Hier. Wer wollt hier den Teppich weg? Marsch, marsch! Jawohl! Wird gemacht! Vor und Sprengkommando! Sprengkommando! Gleich! Good.